juillet 23 pour les Vierges. Donc, de prime abord, c'est un mois calme. De prime abord. Pourquoi de prime abord? Parce que on a toujours Saturne et Neptune qui sont opposés là en poisson et qui en fait mettent une énergie émotionnelle assez importante. Un peu comme si vous deviez prouver ce pourquoi vous êtes sur Terre depuis des temps immémoriaux ou montrer quel est l'archétype profond qui vous meut, ou l'idée de se dire mais vers quoi dois-je tendre ultimement, ou est-ce que ça serait pas le bon moment de tomber dans une dépression, d'un désespoir total pour quelque chose que j'aurais fait il y a 250 ans et sur lequel tout à coup je repense alors qu'il n'y a aucune raison. En fait, on est dans un grand désordre intérieur parce qu'il y a un grand désordre émotionnel, parce qu'il y a quelque part un temps de pause qui est demandé. Ce temps de pause, en fait, il est là parce que Pluton revient en Capricorne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment comprises, suffisamment placées. Dans quoi? Dans votre organisation de vie, dans ce que vous avez à faire, dans votre gestion du temps, dans ce que vous voulez réellement. Donc en fait, les 2-3 mois qui sont là, qui vont permettre à Pluton de revenir en Verseau, est quelque chose qui va vous permettre de vous donner le temps de comprendre ce que vous voulez réellement. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait eu un petit détour à travers, vous voyez, dans les 2-3 mois précédents et dans les 2 mois qui viennent là, un petit détour à travers quelque chose qui n'était pas véritablement vous, et ensuite de ça, on va retourner vers quelque chose qui va vous correspondre davantage après un travail intérieur sur soi assez intéressant. Alors, ce qui est très notable hein, dans cette période, c'est qu'il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il y a aucun trouble événementiel, aucune difficulté, ce qui vous arrive est plutôt positif, c'est-à-dire que c'est un temps de vacances, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire que c'est un temps entre parenthèses où il n'y a pas d'enjeu particulier, il n'y a pas aucun positionnement à avoir, donc n'allez pas en chercher si possible, il n'y a aucun conflit à avoir, n'allez pas en chercher non plus. Il n'y a aucun effort particulier à faire, il y a juste des choses à aller chercher à l'intérieur, comme par exemple des choses que vous auriez pu étudier il y a longtemps, des envies que vous pourriez avoir. Il est temps de les accomplir, il est temps en fait de vous prendre au sérieux sur ce dont vous êtes porteur et ce que vous voulez vraiment. Il est temps aussi de faire un triage, un propre signe de la Vierge, de se dire mais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce que je ne veux pas emmener, qu'est-ce que je ne veux pas faire. C'est important en fait que vous soyez au clair sur quel est votre objectif de vie, ce que vous voulez faire. Alors, la carte qui est venue, c'est le 2 de denier, donc on voit bien, hein, c'est quelqu'un qui jongle avec deux principes. Alors ces deux principes qui sont les principes du monde matériel, ce sont les principes effectivement des finances et du temps. C'est-à-dire que en fait, il y a un équilibre à trouver dans votre gestion du temps, votre gestion de votre incarnation, dans vos finances aussi, c'est-à-dire que c'est un temps de réflexion, alors pour moi, sur des sujets qui me sont chers, c'est-à-dire de combien d'argent vous avez réellement besoin, de qu'est-ce qui vous est véritablement nécessaire, et peut-être un accroissement sera nécessaire, peut-être une diminution. On est plus dans le sens d'un accroissement avec Saturne et Neptune qui sont en face, c'est-à-dire qu'il y a peut-être la nécessité de repenser une notion d'ambition, de repenser une notion d'occupation extérieure, un lien entre l'intérieur et l'extérieur qui peut se poser aussi de manière assez importante. En tout cas, vous avez beaucoup, beaucoup de choses qui sont sorties. C'est un peu comme si vous aviez ouvert un placard et que vous étiez en train de ranger, en fait, tous vos items de vie, tous vos sujets, en vous disant, mais quelle est ma priorité? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, d'établir? Et c'est ça qui est en jeu. Alors, vous allez avoir le temps, puisque ce mois de juillet sera très calme.